Hey girlfriends, so j'espère que tout le monde va bien. So aujourd'hui on parle de Folox and je vous donne mon opinion girlfriends et je vous dis exactement le pourquoi que moi perso je le ferais comme jamais pour avoir vu autant de femmes avoir de bad trips lorsqu'elles ont eu des Folox. Girlfriends, non. Et je vais vous montrer, avant de donner, tu sais, comme petit mon opinion personnelle, je vais vous montrer, vers la fin de cette vidéo, je vais vous montrer le avant-après d'une femme que je connais quand même assez bien, ses cheveux. Et quand que j'ai vu ses cheveux récemment, tu sais, comme elle m'avait dit qu'elle avait des dreadlocks, des faux locks pour les temps des fêtes, et je lui ai dit, oh my gosh, tu sais, comme... Oh my gosh. Puis je lui ai même dit, c'est comme, tu m'inspires à faire une vidéo. Puis quand que je dis ça à quelqu'un, girlfriend, c'est comme, c'est pas... Ça peut être super bien, comme ça peut être comme, oh my gosh, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Puis aussi, c'est comme, elle m'a dit, pas de problème, c'est pour la vidéo. Mais de toute façon, on voit jamais les visages des gens. But, elle m'a dit que, c'est comme, elle a passé la phase où ce qu'elle pleure pour ses cheveux, so... So, avant de que je dévoile tout ça, c'est qu'on les photos de la femme, puis qu'est-ce que je pense, etc. Je vais vous montrer une vidéo de comment se construire les faux locks. Et j'ai arrêté la vidéo à plusieurs différentes places pour que je puisse vous dire exactement mon opinion. C'est au fur et à mesure que le dreadlock se fait construire. So, je vais vous dire mon commentaire avant, pendant et également qu'est-ce qui se passe au niveau du cheveu lorsque le cheveu est dans le faux lock. So, yes. So, on va commencer à écouter la vidéo. Je vais probablement la mettre juste ici. Je vais laisser un peu de place. On y va. Yes. OK. Oh. Yes. And just by the way, j'aime cette fille. Elle dresse tellement bien. C'est comme, j'aime vraiment cette fille-là. Vraiment... But, yes, j'ai oublié de commenter, girlfriends. Vous avez vu comment les cheveux sont incroyablement secs. C'est comme même une petite vase, une pommade, une crème. La crème de la crème biologique, girlfriends, yes. Quelque chose au niveau du corps, du cheveu, au moins pour l'hydrater. Parce qu'on s'en va le mettre, on s'en va mettre les cheveux, c'est comme à l'intérieur de carrément un tube. So, pensez-y bien, girlfriends. And it's been super effective. And so, I just wanted to share that with all you guys today. And yes, oh my gosh, girlfriend, c'est comme ça, c'est un commentaire qui me revient comme régulièrement, c'est le jam ou le gel que les coiffeuses mettent. Perso, je trouve que ça commence vraiment à être out of hand, c'est comme, on en met trop. Les femmes en mettent trop, so, s'il vous plaît, si jamais tu fais ce genre de coiffure-là, essaye de diminuer. Le gel au niveau des lignes, au niveau de la tresse aussi, so, yes. Well, and I have been using this a lot. When I post my giveaway, I will be giving away some of this product, but if you're interested in trying it out, you can also go ahead and check the description section and click the link where you guys... Aussi, quelque chose qui vient de pop-up dans ma tête, c'est que... Tu sais, je comprends, c'est comme, tu sais, on veut que les lignes soient super clean, super sharp and everything, super droite et tout, but back then, les lignes étaient super droites aussi, puis on ne mettait pas autant de gel, puis aussi, c'est comme à l'arrière. Tu sais, je peux comprendre, c'est comme, tu sais, au niveau de la devanture, devant, etc., but à l'arrière, où est-ce qu'il y a d'autres cheveux qui vont venir par-dessus, couvrir, est-ce que c'est important d'avoir, de mettre autant de gel à cette section? I'm just starting out by kind of plaiting my client's hair, and I'm just doing basically like singles, just some individuals with no fake hair added, and that just saves like so much time, guys, you don't even know. I'm gonna be doing this all over her entire head. I know a lot of people in the past have talked about faux locks like causing a lot of tension on clients' hair and like people's hair falling out because the locks are heavy. And that's why I love this method, because it's not as much tension when you're not doing a box spray. And I know it does get really tight when you're like wrapping the hair. So this just helps with that overall. Voilà, elle fait les tresses.
la fondation pour les futurs Forlocks. By the way, on ne va pas écouter toute la vidéo au complet. C'est vraiment, c'est quand même, on va en faire quelques-uns. Anti-itch spray, and I absolutely love it. It has olive oil, jojoba oil, shea butter, and tea tree oil. And I kind of just spray this all over the hair, and then I kind of like massage it in. And moisturizing before you do the faux locs is so important, just because all of her natural hair is going to be tucked away. So you want to make sure you do this prior to doing the faux locs. So as far as hair, I use 2 packs of the Free Tress Braid Deep Twist in 22 inches, and the color is 1B. And I also used 3 packs of the Cuban Twist Hair in 24 inches. And you guys can see how long these faux locs are. I pretty much used 1 piece of the Cuban Twist Hair per faux lock. So to create my faux lock, I'm going to be taking this Deep Twist Hair, and I'm actually going to be crocheting it at the root of my client's natural hair. And in the past, I used to do like box braids with this hair, like added at the bottom. But it's just so much quicker to do it this way. And, parce que mon but, c'est pas de vous montrer comment faire ce genre de coiffure, mais j'ai juste. Je pense que ça va être mieux que j'avance un peu. Could have done it together, but I don't know why I did it one by one. I didn't even realize that the screen went dark here, but I will have a clip a little later that shows you what I'm doing. Okay, so là, elle a mis this Cuban twist hair, and I'm gonna be wrapping it. Elle a mis l'extension du type Miley hair, genre, pour qu'elle puisse commencer, c'est comme à enrouler le cheveu. Around the client's natural braid. And also around that free tress deep wave hair. So I'm wrapping it around all of that. Yeah. So là, mesdames, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui va se passer avec le cheveu naturel? Le cheveu naturel, que ce soit naturel, c'est comme le cheveu qui est encore attaché à la tête. C'est naturel, ça, le cheveu aurait pu être permanenté. Quand j'ai le cheveu naturel, le cheveu humain. Qu'est-ce qui arrive présentement, pendant qu'on enroule le cheveu du Marley, avec le Marley Hair? Qu'est-ce qui se... Oh my gosh, j'arrive même pas à trouver, tu sais, comme mes mots. Je m'étais dit, tu sais, comme ça, tu sais, comme, ok, tu sais, comme, je suis prête à faire la vidéo, but pour de vrai, girlfriend. Tu sais, comme, tu sais, ça me fait un peu de la peine. Ça me fait vraiment de la peine, you know? C'est comme, tu sais, de voir que le cheveu a été très rapidement, malement, c'est-tu un mot, ça, malement? Malement hydraté. On le met carrément dans un tube. Et j'aime bien, c'est comme dire, c'est comme si aux gens qu'un cheveu naturel doit avoir accès aux éléments naturels. Que ce soit le vent, le soleil, c'est comme si. So, aussi, j'aime bien rappeler aux femmes que nos cheveux sont comme des plantes. So, juste imaginez que vous avez une plante, et qui est vos cheveux, et que vous le mettez, c'est comme dans un placard. À l'abri, non seulement du soleil, d'hydratation, pas d'eau, pas rien. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à vos cheveux? Vous allez non seulement, tu sais, comme perdre du tonus, vous allez avoir des cheveux extrêmement déshydratés, des cheveux cassants, et même lorsqu'on aurait peut-être des repousses, vous aurez tellement des cheveux qui vont tellement être secs, qui vont se mettre à casser tellement rapidement que vous allez avoir l'impression que non seulement vous avez fait du surplace ou que vous avez carrément perdu vos cheveux. Et perso, c'est comme la femme qui est venue, c'est comme oh my gosh, dès que j'ai vu ses cheveux, je me suis dit, c'est comme si j'ai vu ses cheveux cet été, et ça a rien à voir, ça a absolument rien à voir à qu'est-ce qu'on a présentement. C'est aussi d'une tristesse. Je suis vraiment comme oh my gosh, je sais même pas.
sais, je comprends que, oh my god, c'est comme peut-être que c'est une coiffure protectrice. Mais c'est pas toutes les coiffures qui vont nécessairement protéger nos cheveux. Ça, c'est déjà la première des affaires. Et aussi, je m'étais dit que j'allais pas aller là, mais je pense que je vais carrément le faire aussi. Si on parle, c'est comme si aux dreadlocks, à ceux qui portent des dreadlocks. Les dreadlocks sont très du côté mystique, ésotérique. Les dreadlocks représentent quelque chose de très fort, très très fort. C'est une accumulation d'expérience de vie, c'est une accumulation, parce que chaque cheveu, ça c'est vraiment comme mon opinion à moi, but chaque cheveu contient une histoire. Et quelqu'un qui porte des dreadlocks et qui a ce côté sentimental relié à ces dreadlocks, sait que à l'intérieur de chaque dreadlocks, il y a une histoire personnelle à cette personne. Et juste voir comment que on utilise cette coiffure-là pour qu'on puisse s'en défaire aussi rapidement. Je crois que c'est carrément, je crois qu'on devrait carrément arrêter cette pratique. C'est pas quelque chose que, du côté énergétique, d'après moi, c'est pas quelque chose que je recommande. Pas du tout. Et malgré que, puis ça c'est deux affaires, c'est super, c'est comme c'est important aussi, c'est comme, tu sais, j'ai deux femmes en tête que je sais que les dreadlocks, c'est comme, a vraiment, c'est comme mal été, tu sais. T'sais, j'en ai une, elle, t'sais, comme une fois qu'on défait, on défait comment? T'sais, c'est sûr que tu as une photo mentale où ce que tu sais, où ce que plus ou moins tes cheveux arrivent, mais si tu coupes un peu plus haut pour essayer de défaire, de dérouler, ben tu viens de couper tes cheveux. Et la femme que vous allez éventuellement voir le avant-après, les photos, si je ne l'ai pas déjà mis dans la vidéo, cette femme-là, elle a carrément été où ce qu'elle a été faire l'installation des dreadlocks pour que cette femme-là, sa coiffeuse, puisse défaire. Et puis, malgré ça, c'est comme le dommage a déjà été fait. Tu sais, je comprends, on va à la même place, etc. Au moins, c'est comme to play safe pour jouer de façon sécuritaire. But, le dommage a déjà été fait. Le dommage a déjà été fait. So, girlfriends, dreadlocks, les faux locks, j'encourage absolument pas. Ça détruit les cheveux. J'encourage pas. Au pire des cas, si jamais c'est vraiment, tu veux expérimenter, t'as juste une vie, tu veux expérimenter, fine. But at least, hydrate tes cheveux, comme vraiment de façon appropriée. Pas juste, c'est comme vaporiser. Hydrate en profondeur, fais un deep conditioner dans ton cheveu. Et la deuxième des choses, hydrate régulièrement la base de ton cuir chevelure aussi, c'est une autre affaire. Je ne sais pas si cette femme-là l'a faite, mais... gardez pas ça longtemps, girlfriends. Gardez pas ce type de coiffure-là longtemps. Il faut vraiment que ça soit in and out. Tu as une occasion spéciale, tu gardes ça pas plus que... Moi, je dirais pas plus que deux semaines maximum. OK? En tout cas, c'est un nouveau format de vidéo, j'espère que, de toute façon, si je upload cette, si vous voyez cette vidéo-là, c'est que ça passe le test, ça a passé le test. But, yes, les dreadlocks, girlfriends, je pense qu'on peut faire, il y a d'autres coiffeurs, il y a d'autres affaires. OK, ça vient de me revenir parce que j'avais perdu mon trait d'idée. Si tu veux absolument faire ce genre de coiffeur-là, au pire, fais tout le autour, carré, botte à l'intérieur, fais des crochets. Au moins, c'est comme la partie que tu vas bousiller, ça va être le contour et pas la tête au complet, tu sais. C'est ça. OK, pour Nefertiti, faux locks, it's a no. C'est comme, non, absolument pas, girlfriends. Il est tellement créatif, hein, dans nos cheveux. Est-ce que je recommande? Absolument pas. Non. OK. So, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, girlfriends. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux partager, commenter. C'est sûr que je suis dans un learning. Je suis en train d'apprendre de nouvelles méthodes de faire. C'est ça. OK? On se reparle bientôt.